Regarde, Morphle. Toutes ces choses ont perdu leur couleur. Oh! Morphle, change-toi en pinceau magique. La 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 la. Morphle, l'herbe n'est pas bleue, elle est verte. Espèce de chauffard! Mon feu était vert! Pas du tout! Mon feu était vert! Blanc. Toutes ces choses n'ont plus de couleur. Comme moi. Oh, 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 oh. Ah ah! Mais alors, c'est donc toi qui voles toutes les couleurs de la ville. Tu ne devrais pas faire ça. Un monde sans couleurs, ce n'est pas du tout amusant. Tigre rigolo. Oui, c'est rigolo. Et si nous peignions d'autres animaux dans des couleurs amusantes? Oui. Tu es là, Chromatique. Je te cherchais. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville parce que tu as enlevé toutes les couleurs. Morphle peut aider Chromatique à tout repeindre dans les couleurs d'origine. Hey, notre camion de pompiers a perdu sa couleur. Morphle et Chromatique vont vous aider. Non, Morphle. Un camion de pompier est toujours rouge. Comme toi. Merci beaucoup, Morphle et Chromatique. Salut, monstre des nuages. Oh. Eh bien, il semble que vous aviez raison. Allez-y. Waouh, tu as déjà résolu tous les problèmes de la ville. Morphle et Chromatique font une sacrée belle équipe. Chromatique aime vraiment colorier. Bien sûr qu'il aime. Oh, j'ai une idée. Chromatique, tu aimerais avoir un ami humain qui aime les couleurs comme toi?
incroyable. Tu es l'animal magique parfait pour un peintre comme moi. Et voici Éléphantéus. C'est le plus grand animal magique que nous ayons. Mais je n'ai pas le temps d'aller le promener. Vous voulez bien le faire pour moi, Mila et Murphle? Oh, bien sûr, papa. Il a trop de force. Murphle, transforme-toi en robot. Maintenant, direction le parc. Murphle, change-toi en robot géant. Comme ça, tu pourras jouer à chat perché avec Éléphantéus. Ok, c'est à nous. On va t'attraper, gros Éléphantéus. Vous voilà, alors, tout s'est bien passé? Oui, papa, c'était super! Oh non, pas mon joli chapeau. Monsieur le maire, que s'est-il passé? Oh, Mila, c'est terrible. Je me promenais tranquillement dans notre belle ville en réfléchissant aux élections quand quelqu'un qui passait a volé mon joli chapeau. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, on va s'en occuper. Murphle, change-toi en chien de recherche. On ne bouge plus. Ah, j'ai vu qui a volé le chapeau. C'était toi. Hein, Murphle? D'accord, d'accord. Que s'est-il passé? Oh, toi, tu es un voleur. Rends-moi mon chien. Vous voulez dire que Murphle a volé? Murphle ne ferait jamais ça! Oui, il l'a fait. Je venais d'acheter un gâteau d'anniversaire quand Murphle est passé et l'a volé dans ma voiture. Et vous êtes vraiment certain que c'était Murphle? Oui! Bien, bien. Murphle est un voleur. Pas dans ma ville. Je dois donc t'emmener au poste de police, Murphle. Non! S'il vous plaît, il n'a rien fait. Mila! Je crois qu'elles sont parties. Tu peux venir maintenant, Yann. Ils croient tous que c'est Murphle qui a volé leurs affaires. C'est sûrement le meilleur plan qu'on ait jamais eu. Oh oui, allons voler d'autres gens. Murphle, pas criminel. Ne t'inquiète pas, Murphle.
Je prouverai ton innocence. Oh non! Rendez-moi mes pommes! Alors ce sont les bandits, les coupables! J'arrive pas à y croire. C'était Morphol, il a volé toutes mes pommes. N'ayez pas peur, monsieur. Nous avons déjà attrapé Morphol. Mais c'est arrivé à l'instant. Excellent travail de policier, si je puis dire. Ce n'est pas Morphol. C'était les bandits. Je les ai vus de mes propres yeux. Non, non, Mila. Tu ne peux pas toujours tout mettre sur le dos de ces deux voleurs. Allez, au revoir. Je sais qui a fait ça. Ce sont les bandits qui ont tout volé. Mais personne ne veut me croire. Mila, attrapé voleur. Mais je peux pas le faire sans toi, Morphol. Morphol, prison. Morphol, restez là. Mais j'ai une idée. Est-ce que tu m'entends toujours, Morphol? Oui. Morphol, entendre! Morphol, allez où? Rends-moi mes outils, Morphol! On dirait qu'il a des ennuis. Descends, Morphol! Ne t'inquiète pas, Joe, on s'en occupe! Quoi? Un autre Morphol? Morphol, on les a presque. Elle est trop rapide, Stan. Elle va nous rattraper. C'est ça qu'on va voir. On est moins rapide maintenant, n'est-ce pas? Morphol, vite, encercle-les! Hé? Encore! On les a eus, Morphol! Oui! Chut! Tais-toi, Yann! Comment tu as fait pour t'échapper, Morphol? Et pas la peine de cacher tout le butin que tu as volé. Ce n'est pas Morphol. Ce sont les bandits. Hey, attendez une minute. Ce n'est pas Morphol. Mais c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Ah, bon, d'accord. Vous nous avez eu. Oh, oh. J'ai peut-être bien fait une petite erreur. Je suis vraiment désolé d'avoir douté de toi, Morphol. Évidemment, tu n'es pas un voleur. Et comme vous avez fait le travail de la police, je vous nomme agent de police auxiliaire. C'était amusant de faire semblant d'être Morphol. Hein, Stan? Évidemment. Alors, change-toi en avion. Non! Toi, transforme-toi en voiture, Stan. Cette girafe a l'air un peu malade, Morphol. Oh, Mila, Morphol, c'est terrible. Tous les animaux du zoo ont attrapé la grippe. Et il faut les emmener voir un docteur. Nous pouvons vous aider, gardien Kenneth. Transforme-toi en ambulance. Par ici, tout le monde. Vous allez vous sentir mieux en un rien de temps. N'êtes-vous pas content que nous ayons amené
emmener les animaux chez le docteur, gardien Kenneth? Oui, bien sûr. Évidemment, je suis content, Mila, mais... Mais cet après-midi, beaucoup de gens vont venir visiter le zoo. Et il n'y aura pas d'animaux à leur montrer. Je crois que je sais quoi faire pour régler ça. Repartons au zoo. Marcel, transforme-toi en kangourou. Oh, quelle bonne idée, Mila. Oui, ça pourrait bien marcher. Oh, regarde, grand-mère, un kangourou. Oh, il est très beau, ma chérie. Voyons ce que cette cage devrait avoir. Il y a écrit « tigre ». Je ne vois pas de tigre. Marcel, transforme-toi en tigre. Voilà. Gardien Kenneth, où est la girafe? Je crois qu'elle est en haut de l'arbre. Elle aime bien faire ça, tu sais. Yo, les singes! Ouh! Y a quelqu'un dans la famille singe? Pas d'éléphant. C'est étrange. Vite, Marcel! Tu dois te transformer en singe! Non! L'éléphant est le plus important. Fais quelque chose, Marcel! Yo! Les singes! Quoi? Un éléphant? Mais c'est écrit que tu es supposé être un singe. Vous avez dit éléphant? Où est-il? Quoi? Lion. Où sont les perroquets? Je ne trouve pas les rhinocéros. Les crocodiles sont-ils encore endormis? Marcel, tu dois te transformer vite. Oh, wow! Oh, quel incroyable animal! Cool des animaux. Bien joué, Marcel. Mila, Marcel, j'ai fait de la limonade. Oh, oh, oops. Oh, oh, je nettoierai plus tard. Je veux vraiment terminer de lire mon livre. Oh non, Marcel tout. Mila, tu as cassé la tour Marcel. Je n'ai pas cassé ta tour. Oh. Tu as ruiné mon dessin, Marcel. Non, pas Marcel. Non, non, non. Que diriez-vous d'aller vous amuser ailleurs? Oui. D'accord. Je suis le professeur méchant. Monsieur Action est là. Marcel et Monsieur Action? Oui. J'ai construit une machine qui va faire s'endormir tout le monde. Oh non! Monsieur Action, t'arrête! Yeah!
vraiment passionnant. Aïe! Débarrassons-nous de ça. Ok. Alors, où en étais-je? Qui n'a pas gagné, Monsieur Action, avec l'aide? Mais où est passé le coffre? Monsieur Action! Mais pourquoi as-tu enlevé le coffre? Morphle, pas bouger le coffre! Oh! Toi, Mila, reconstruire! Je n'ai pas détruit ton immeuble stupide! Maintenant, je vais aller jouer sans toi. Non, Morphle joue sans Mila. Morphle joue, pas Mila. Oui. Wesh. Pas de Mila, pas drôle. Quoi dessiner? Morphle aurait une idée, lui. C'était vraiment un super livre. Morphle, je suis désolée. Je n'aurais pas dû être si fâchée que tu casses le crayon sur mon dessin. Hein? Oh, c'était pas Morphle. C'était moi, par accident. Oh! As-tu aussi cassé la tour de Morphle? Oui. Et déplacé le coffre à jouets? Oui. Et cassé une meuble de bois? Sûrement. Mila Morphle a mis à nouveau? Bien sûr! Je suis désolé d'avoir fait tout ça. Je suis désolé que vous vous soyez disputé par ma faute. Est-ce que je suis toujours votre ami quand même? Bien sûr, papa. Yeah. Ah. Il faut que j'aille faire quelque chose, Morphle. Mais c'est un secret, donc tu ne peux pas venir. Oh, Morphle, viens aussi. Non, Morphle. Tu dois attendre ici. Au revoir, Morphle. Mila! Mila! Hey, quoi de neuf, Morphle? Papa, c'est où est Mila? Non. Désolé, Morphle. Aujourd'hui. Mila, ici? Quoi? Non, Mila n'est pas là. Morphle, elle n'est pas là. Mila, par là? Non, Morphle. Où est Mila? Morphle pleure. Pas dans ma ville. Allez, viens, Morphle. Je parie que Mila t'attend à la maison. Pas si vite, Morphle. Tu n'as même pas vérifié dans le jardin.
justice ne dort jamais. Mais vous devez dormir de 9h à 7h. C'est l'heure d'aller combattre le crime. Juste après le brossage de dents. Qu'est-ce qui ne va pas, les singes ?